Thank you.
Bonjour et bienvenue à tous à la salle L'Hérite de Nice pour la grande finale du basket entre la Côte d'Ivoire et la Fédération de Wallonie-Belgique avec Gérard Ehrens pour commenter cette finale. Gérard, on va vivre une belle finale. Indéniablement, Clément, entre deux équipes qui ont jusqu'à présent dominé leur sujet en quelque sorte, même si la qualification pour la grande finale n'a pas été sans mal. Des écarts assez minimes finalement au stade des demi-finales. On rappellera, pendant que nous y sommes, qu'il y a quelques instants de cela, dans la petite finale, le match pour la troisième place en quelque sorte, le Cameroun a dominé le Canada-Québec 80 points à 67. L'écart était de 20 points à l'issue du troisième quart-temps. Par la suite, les Camerounais ont pu gérer l'avance. Une équipe du Cameroun, qui est en passant, est une équipe de réservistes, car l'équipe type du Cameroun a été préservée dans la perspective de l'afro-basket, donc du championnat d'Afrique des Nations, qui va débuter dans le courant de la semaine prochaine à Maputo, au Mozambique. Donc, c'est une équipe camerounaise réserviste qui est venue prendre ici une médaille de bronze et n'en est que plus méritoire, cette médaille. Voilà, le public en nombre, et vous découvrez donc cette équipe de Wallonie là, qui s'entraîne à l'échauffement pour l'instant. Voilà, le public largement venu en nombre dans cet après-midi ici au stade L'Hérite, à la salle L'Hérite de Nice. Alors une équipe de Belgique qui, on peut le dire, je crois d'ores et déjà, va compter sur deux joueuses clés. Tout d'abord, la meneuse de jeu, Natacha Dopé, petite taille, mais qui arme très rapidement ses tirs. Mais en passant, on aura l'occasion de le constater. Voilà. La voici au numéro 4. Et puis une autre joueuse essentielle dans ce dispositif de la formation belge, Axel Bernard, qui elle est un assez grand gabarit, également capable d'armer ses tirs en très très peu de temps. C'est la particularité, à mon avis, de cette équipe belge, qui est, c'est intéressant à noter aussi, issue d'un seul club. Oui, toutes les joueuses viennent de Sprimont, tout à côté de Liège, et vous découvrez donc cette équipe de Belgique, de Wallonie-Belgique. Avec donc Natacha Dopé, ce sera la petite star de cette équipe de Belgique du haut de son 1m70, la meneuse de jeu. On aura également Julie Allemand, l'arrière. Vous découvrez également Laura Dassi, Céline Cornia. Justine Colson, bien sûr. Il y aura également Axel Bernard, l'ailière de cette équipe de Belgique. Alexandra Milanovic. Et puis 14, bien sûr, Isabelle Medjolin. Et la numéro 15, enfin, Lara Gaspard, qui sera l'ailière forte de cette équipe. Une équipe de Wallonie-Bruxelles, de Belgique, qui sera composée avec leur entraîneur, Pierre Cornia, ancien international belge. Et place à la présentation de la Côte d'Ivoire, à présent avec bien sûr Fatoumata Koné, Assetou Kolga également, la numéro 6, la numéro 7, voilà, vous devez Kouaïdio, Karidja Traoré, la numéro 8, ce sera la pivot de cette équipe de Côte d'Ivoire, Kani Kouyaté, la star de cette équipe de Côte d'Ivoire, c'est, elle peut jouer arrière ou ailière. Massara Mimeite qui sera également présent. Kariata Diaby qui risque d'être dans le 5 majeur également. Elle peut jouer hier forte ou pivot de cette équipe de Côte d'Ivoire. Et puis l'entraîneur Clément Djadji, que Gérard, vous avez rencontré juste avant la rencontre. Oui, il se fait appeler coach Clément. Donc on va retenir ce nom qui est particulièrement sympathique et qui dénote, je pense, une ambiance particulièrement détendue au sein de la formation ivoirienne. Ancien capitaine de la section nationale de Côte d'Ivoire, Clément Djadji. Deux belles équipes en tout cas qui ont pu se qualifier, qui se sont hissées dans cette finale des Jeux de la Francophonie. Les Jeux de la Francophonie en basket uniquement réservés pour ces dames. Il n'y avait pas de tournoi chez les hommes. Non, mais il y a une compétition aussi avec des limites d'âge en basket de 18 à 25 ans. Donc ce sont des équipes assez jeunes qui s'apprennent ici. C'est pour ça que ce sera les pépites de demain que vous allez découvrir dans un instant. En échange avec Pagnon,
travail qui est fait, on les récupère et maintenant la bataille commence. Avec l'entraîneur principal de cette rencontre qui sera Boris Chulga, ukrainien, assisté de messieurs Colin et de madame Pienne. Allez, dernier petit échauffement avant que le match débute dans 2 minutes 35. Oui, c'est très précis en basket, il y a un compte à rebours qui commence environ 45 minutes avant le coup d'envoi de la rencontre. Donc tout le monde sait à quoi s'en tenir, tout le monde a un horaire strict à respecter et tout le monde donc peut se préparer comme il convient. Voilà le tableau d'affichage. Donc vous découvrez hein, ces deux équipes avec beaucoup de vivacité chez les Belges. Ça va être important le début de match pour prendre le meilleur sur son adversaire, marqué psychologiquement. Oui, à noter aussi quand même que l'équipe ivoirienne ne compte 9 joueuses ici alignées, ce qui, en cas de difficulté, d'élimination pour votre personnel notamment, risque de peser lourd sur cette rencontre. Attention donc au nombre des fautes commises par les joueuses ivoiriennes. Oui, des désistements de dernière minute, notamment les sœurs Tolga. À noter que la majorité des joueuses de Côte d'Ivoire joue dans le club sportif d'Abidjan. Alors que vous l'avez dit, Gérard, en Belgique, elles jouent toutes dans le club de Spremont. C'est une garantie de cohésion, en tout cas. La cohésion d'équipe aussi importante j'avoue en basket. J'avoue n'avoir jamais vu un tel phénomène au niveau d'une sélection nationale. Ah, c'est la meilleure équipe, en tout cas, de Belgique chez ces dames. Les ultimes préparatifs, et maintenant le coup d'envoi de la rencontre va pouvoir être donné pour le premier quart-temps. 4 périodes de 10 minutes, je vous le rappelle. Avec les dernières instructions là pour le coach de la Wallonie, Bruxelles, Pierre Cornia. Et de son côté, Clément Djadji aussi, qui donne les dernières consignes à ses troupes. Probablement de se méfier en particulier de cette diabolique meneuse de jeu, Natacha individuel. Attention à l'opposé, il faut flotter pour voir, ne pas qu'il y ait de passe et va. Attention, le ballon est parti, je tombe dans la bouteille. Restez pas là-bas pour avoir les passes et va. Et à l'opposé, une fois coach que le ballon Clément à gauche est là-bas, il faut tomber dedans pour vérifier, pour empêcher les gens d'aller là. Et défendre sur le ballon. Interdiction de rentrer dedans. Encore quelques secondes et la partie va pouvoir démarrer. Allez, le cri de guerre pour les Belges pour se mettre en confiance. Avec le coup d'envoi donné par Hervé Dubuisson, une légende du basket français. Pour donner ce coup d'envoi dans quelques instants. Oui, une des plus fines gâchettes de l'histoire du basket français, une adresse diabolique. Ouais, meilleur marqueur de l'équipe de France de tous les temps avec 3281 points pour Hervé Dubuisson qui va donner le coup d'envoi et plus de 12500 points marqués en proie. C'est tout simplement énorme. Vous voyez Hervé Dubuisson donc au centre, un vieux. C'est 100m95, Hervé Dubuisson, victime également d'un grave accident et c'était en 2020, lui percuté par une auto, plusieurs mois de coma pour Hervé Dubuisson et il a su se sortir de cette mauvaise passe pour aujourd'hui donner fièrement le coup d'envoi de cette finale des Jeux de la Francophonie. Voilà. Allez, la compétition, la grande finale qui va pouvoir débuter. Oh, on a hâte de voir les... Alors, les grands gabarits au centre, là. Hein. Kariata Diaby, du côté de la Côte d'Ivoire, qui perd la première balle de cette rencontre avec, bien entendu, la meneuse de jeu belge, dotée Natacha. Et un premier tir lointain. Allez, Axel Bernard. Tir primé pour les Belges. 3 points donc pour Axel Bernard. Attention, on va se méfier justement de ces... tireuse belge à distance, alors qu'il y a une belle infiltration, mais un contre aussi. Bien joué en défense de la part Manon Kaczynski. Allez, les Ivoiriens qui vont tenter de mettre répondre peut-être à 3 points. Oui, un tir raté ici de Fatoumata Kone. Récupération ivoirienne et panier.
de Kariata Diaby qui fait jouer sa taille et son impact physique sous le panier. Très grand gabarit et mobile aussi. Allez, peut-être avec Natacha Dopé, vous la découvrez, c'est la meneuse belge, la petite star de cette équipe belge. Une infiltration qui s'est pas mal vue de la part de Lara Gaspard. Il est passé donc 2 points pour son équipe. Le score passe à 5 à 2 en faveur de la Wallonie-Bruxelles. Les joueuses ivoiriennes maintenant, la contre-attaque et un panier marqué de près par Karidja Traoré. Allez, tout de suite les Ivoiriennes qui essayent de revenir dans cette rencontre. Elles ne veulent pas laisser les filles de la Wallonie-Belgique prendre le large dans cette partie. On construit toujours avec Natacha Dopé. Ah oui, un tir à l'extérieur, ici déclenché par Bernard, Axel Bernard. Cette fois-ci, rate sa tentative et une contre-attaque menée de loin. Oh, c'est une tentative d'infiltration ambitieuse de Fatoumata Kone qui perd le ballon ici. Bien placé en tout cas les grands gabarits belges dans la raquette. Hein, Manon Grzesinski et Lara Gaspard qui font le boulot dans la raquette. Alors, les Belges font alterner leur meneuse de jeu. À la fois Natacha Dopé et Julien qui jouent plus arrière et ça marche. Avec toujours Lara Gaspard pour conclure. Oui. Fellel aussi, c'était pas une joueuse qui était mise particulièrement en évidence lors des matchs précédents. Mais là, elle se distingue. On avait surtout vu Axel Bernard et Natacha Dopé lors des premières rencontres. Mais en ces premières minutes de la finale, on en voit tout autrement. Un tir raté ici du côté ivoirien de Kany Kouyaté. Kany Kouyaté, la meilleure marqueuse de la formation ivoirienne. Dopé en position de la balle. Axel Bernard encore une fois. Parfait. Et le panier réussi cette fois-ci, un panier à 3 points. Non, 2 points seulement. Parfait pour Axel Bernard, l'extérieur des choses bien construites hein, de la part de la Belgique. La pousse à l'extérieur là aussi, mais peut-être les Ivoiriens pour revenir tout de suite dans la partie. Salut Matabete, oui. La ligne de lance est franc et il donne 2 points à son équipe. Un match qui démarre sur les chapeaux de roue, peu de déchets. Hein. C'est vrai, il faut dire que la fatigue venant, les pourcentages de réussite baissent généralement, mais jusqu'à présent, on peut être impressionné par le taux de réussite des deux équipes. C'est une tentative d'infiltration de Kany Kouyaté. Un match qui a démarré sur le chapeau de roue parce que 3 minutes déjà, 3 minutes 10 de jouer dans cette partie et grosse intensité. Ah oui, 9.6 au bout de 3 minutes, on n'est pas au point. Hein. On voit du spectacle et c'est tant mieux. Les Ivoiriennes en position de la balle ici par Salima Taberté. Elle passe derrière elle. La balle revient sur l'aile gauche. Là-bas, une tentative lointaine. Oh, c'est bien fait. C'est réussi. Bien fait de la part de Kany Kouyaté, l'inévitable. Kany Kouyaté, meilleure marqueuse de son équipe. Elle tourne à presque 18 points de moyenne par match dans ce tournoi de la francophonie. Alors qu'ici, une belle infiltration de la Belge Gaspard. Elle ne réussit pas toutefois, mais il y aura faute personnelle, semble-t-il. S'infiltrer, elle était un peu excentrée, donc difficile pour elle de marquer. Elle a quand même conservé le ballon. Contre interception ivoirienne. Le contre ivoirien. Mais très rapidement, belle infiltration, joli panier. Que c'est bien joué de la part de Salima Taberté. Ouais, magnifique. Bien fait de la part de Salima Taberté qui a bien pris l'intérieur et c'est tout de suite les Belges qui reviennent dans cette partie avec Julie Allemand maintenant à la baguette. Ah, c'était un petit peu forcé, il y avait du monde à l'intérieur. Et oui, et c'était du monde du côté ivoirien essentiellement. Encore une fois, les Ivoiriennes à la contre-attaque et Kany Kouyaté qui se distingue une fois de plus à la lutte pour conserver le ballon. Ah, très combative, hein, Kany Kouyaté. Vraiment, c'est une joueuse impressionnante de ce point de vue. Un beau registre technique et une grosse, grosse présence sur le terrain. À du haut de son mètre 77, 22 ans, Kany Kouyaté, c'est elle qui va remettre en jeu. C'est de la dynamique qu'elle a dans les arrêts. Ah oui, elle est très dynamique, en tout cas, l'Ivoirienne. On va découvrir aussi, hein, c'est la star de cette équipe de Côte d'Ivoire. Alors qu'il va y avoir un changement de joueur ici. C'est Koukou Ren Kouadio qui va entrer en jeu. Allez, pour l'heure. Non, c'est raté par Karidja Traoré et la contre-attaque des Belges tout de suite avec Manon Grzesinski. Oui.
bien tourné, on tire de loin. Ah ouais, récupération facile pour les Ivoiriens, mieux placés, mieux disposés sur le parquet aussi, hein, autour de la raquette. Comme il y a une position de la balle à l'intérieur, on va donner sur Diaby. Ah, c'est bien fait la main. Le bras qui a marqué la pour à Medjo. Qui prennent l'initiative. Maintenant, je mène 12 points à 9 depuis environ 3 minutes. Maintenant, les Belges semblent muettes. Et ce sont les Ivoiriennes qui ont pris, de très peu, faut dire, mais quand même, là, c'est en 3 points d'avance. Ce n'est pas négligeable. Alors, il y a une infiltration de la meneuse de jeu belge, Dopé, Natacha. Une passe vers l'extérieur et un tir réussi. Allez, encore les points là pour. Pour Julie Allemand, l'arrière de cette équipe de Belgique. De l'adresse hein, dans les tirs à distance du côté belge. Et peut-être plus de présence sous les paniers en ce qui concerne la formation ivoirienne. Ouais, c'est très serré en tout cas pour l'instant avec deux équipes qui se tiennent bien. C'est bien joué ici de la part de Kouyaté qui a donné sur le côté gauche. Maintenant après une remise au centre, on fait bien circuler le ballon. Ça permet de panier de Kariata Diaby. Qui peut prendre tout son temps pour ajuster son tir là. Il y a vraiment un beau démarquage, excellemment joué. Et Gaspard qui peut relancer sur la jeune Natacha Dopé. Ah ouais, j'ai mis l'extérieur. Oui, ça ne sera pas un tir, mais une infiltration encore une fois ratée. Et encore une fois, la présence sous le panier des Ivoiriennes se fait sentir. C'est Salimata Berthe qui a récupéré. Et la belle composition de Fatoumata Kone à présent. Et la meneuse des joueuses de la Côte d'Ivoire qui on va relancer avec les à présent Kani Kouyaté. Extérieur, cette fois-ci réussi. Ah oui, l'adresse est ivoirienne avec Salimata Berthe qui vient d'ajouter 2 points au total des éléphantes. 16 points à 11 en leur faveur. Bon début de partie donc de la formation ivoirienne. Je crois que le coach Clément n'aura pas beaucoup de reproches à faire à ses joueurs. Oh, quel la belle shoot réplique. Voilà Natacha Dopé pour remettre les siennes en marché. Là, on parlait de Natacha Dopé et les Belges qui reviennent à 2 points. Un tir très lointain de Natacha Dopé, là. 7-8 mètres au bas mot. À l'image d'une série du Merck en équipe de France, Natacha Dopé qui essaye de remettre son équipe dans le bon sens. Et là, une tentative de cuillère, comme on dit, de Kariata Diaby, mais ça ne réussit pas. Ce sera tout de même une faute personnelle. Sifflé contre la Belgique. Un lancer franc, donc, en faveur de Kariata Diaby. Là, c'est sa petite spécialité. La cuillère, comme ça, elle l'avait déjà fait tout à l'heure. 2 fois qu'elle essaye, qu'elle tente. Déchaînement de joueurs, côté ivoirien. Sortie de Fatoumata Kone. De Kharidja Traoré aussi et de Salimata Berthe. Donc on a permis à ces joueuses de récupérer un petit peu, de reprendre leur souffle. Nous allons voir si les remplaçantes sont à la hauteur des titulaires. Pour l'instant, le score est de 17 à 14 envers la Côte d'Ivoire car Kariata Diaby vient de réussir son premier lancer franc. Allez, les deux lancers francs qui sont remarqués. Par Kariata Diaby, ah, c'est souvent ça qui fait la différence, l'adresse dans les lancers francs. Et c'est crucial dans les fins de match lorsque les fautes d'équipe multiplient les lancers francs. Récupération ici sous le panier de Mamiki Sissé, relance ivoirienne par Saran Kamara. Ouais, 4 points d'avance là pour les Ivoiriennes. Avec toujours. Non, c'est raté cette fois par Diaby. Ne s'affole pas les Ivoiriennes, les jouent assez posément. Attention, la balle a circulé très vite et ici. Oh parfait, Natacha Dopé encore. Elle avait tout son temps pour ajuster son tir, il ne faut pas la laisser toute seule. Hein. Là elle vient de mettre 6 points qui relance totalement son équipe, c'est elle. Bien entendu. Hein. D'ailleurs, je pense que défensivement, il y a eu une manque de concentration parce que les joueuses ivoiriennes devraient être averties de l'adresse à distance de cette meneuse de jeu, Natacha Dopé. Et puis Kouaïdio qui remet un peu. Calme dans la maison ivoirienne avec désormais 27 pour les Ivoiriennes. Toujours plus de 2 minutes avant le premier quart-temps, donc un très très beau score, beaucoup de points dans ce début de rencontre. La formation wallonne de Wallonie-Bruxelles en position de la balle avec une attaque ici. Oh parfait de Natacha Dopé. Ah, elle est très bonne cette joueuse, vraiment très, quelle très technique. Oui. Bonne passe sur l'aile là-bas, le temps d'ajuster, mais ça n'est pas précis comme tir. Elle fait ce qu'elle veut, Natacha Dopé, quand elle prend le match à son compte. Ça tourne du côté ivoirien. Regardez l'intérieur, c'est pas mal
vu. Oh, bien joué encore. Encore, une fois. Pareil. Très bien joué. Avec la part Carrière, de Carrière, Gabi, ouais, elle est habile. Hein, trois fois qu'elle le fait, ce coup de la cuillère. Une petite fin de corps et une fin de corps sur la droite, passage à gauche et une cuillère. Elle est très grande. Elle est grande, il faut dire, mais elle a une bonne maîtrise technique du geste. Là, allez, Natacha, dopé, oui. Et le, ça marque une faute, ouais. La faute en plus avec un lancer franc à suivre pour Natacha Dopé, qui est bien rentrée dans son match, il n'y a pas de souci. 19 points à 22 pour le moment, 3 points d'avance en faveur de la Côte d'Ivoire, alors que Clarietta Diaby vient prendre un peu de repos sur le banc. C'est par Massarami Meite. Et ça marque pour Natacha Dopé qui ramène deux petits points d'écart. Et c'est la deux points. Et alors qu'on nous approchons de la fin de la première période, encore 1 minute 15 à jouer. La balle en position des Ivoiriennes, donc Kani Touyaté qui est remis sur le parquet. À l'intérieur là-bas. Oh, un tir contré, c'est bien joué, mais récupération ivoirienne. Et sous le panier, c'est Rennes Kouadio qui est venu faire la loi en quelque sorte. Elle était contrée irrégulièrement, donc elle bénéficie de lancer franc. La faute est de lancer là pour Kouadio. Premier réussi. 3 sur 3 dans les lancers francs pour les Ivoiriennes. À droite dans cet exercice en début de match. Et 4 sur 4, n'ont pas la pression, les Ivoiriennes, elles jouent vraiment libérées. Et le contre, le retour là pour Natacha Dopé, pour lancer les siennes, elle cherche à l'intérieur, à l'extérieur finalement. Le nez ici de l'ex de l'aile gauche qui rate sa tentative, c'est Léa Lonet donc. La balle reste tout de même en possession de la Wallonie-Bruxelles. Essentiellement, donc actuellement exercé par la formation ivoirienne. Une bonne infiltration ici. Elle va être récupérée par les Ivoiriennes, vraiment supérieure sous les paniers, il faut bien le dire. Le rebond ivoirien excellent dans cette première partie de la rencontre. Allez, Ivoiriennes. Ah, elle a été chercher la faute, elle n'est pas réussie, elle n'est pas parvenue à ses fins. Ça permet donc à la Wallonie-Bruxelles de se relancer. Avec Dopé encore une fois tire à 3 points. Ah non, ça ne passe pas. C'est la première fois qu'elle rate, Natacha Dopé, à 3 points, alors que le collectif ivoirien remonte là. Les Belges pour l'instant qui ne se remettent qu'à Natacha Dopé. 10 secondes dans la première période. Donc les Ivoiriens ont gardé le ballon pour essayer de tenter un tir à l'ultime seconde et ne pas donner de temps à leurs adversaires de relancer. Attention ici. Encore une fois. Dernière seconde du match, enfin de la première période. Et ça survient donc sur le score de 24 à 20. En faveur de l'équipe de Côte d'Ivoire, un score impressionnant tout de même. On se dirige vers les 100 points à ce rythme. C'est rarissime quand même en compétition féminine. À 4 points d'avance pour la Côte d'Ivoire, et c'est vrai, 24 à 20, c'est un gros score là pour un premier carton. Même chez les hommes, on